Gaston Phébus, comte de Foix et souverain de Béarn, a épousé Myriam qui, depuis toujours, fut la compagne de ses jeux d'enfant. Un amour passionné unit ces deux êtres. Répondant à un appel du roi de France en guerre contre l'Anglais, ils se rendent à Vincennes. Phébus est accompagné par ses deux fidèles amis, Espin et Ernoton, ainsi que par son oncle Corbéran, bâtard de Foix, qui le conseille avec sagesse. À la bataille de Crécy, la chevalerie française est décimée. Phébus regagne le Béarn et y passe des jours heureux en compagnie de Myriam. Cependant, Agnès de Navarre, follement éprise de Phébus, est prête à tout pour le conquérir. Elle obtient l'aide de son frère, le médiocre Charles de Navarre. Une lyre empoisonnée par un homme à sa solde, et en quelques heures, Myriam, la jeune femme du comte de Foix, meurt dans d'atroces souffrances. Phébus a vite fait de découvrir la vérité. Il retourne à Vincennes, décidé à se venger. Qui arrive au château? Le comte de Foix, Majesté. Je me retirer, Majesté. Allez, allez. Je vous remercie. Vous m'avez trahi! Trahi! Vous, mon vassal! En vous retirant avec votre armée, vous avez permis à Calais de se rendre à l'Anglais! Notre armée était bien seule, sire. Vous aviez levé le camp. Pourquoi aurais-je vaincu moi seul quand vous aviez renoncé? Devant l'importance des forces ennemies, je suppose. S'il y a un traître, c'est donc moi. Calais a soutenu votre cause plus longtemps que vous-même, mon cousin. À son combat, vous n'avez répondu que par des dévotions. Était-ce une réponse digne d'un roi? La question est-elle digne d'un vassal? Vous faites sonner bien haut votre souveraineté pour le Béarn, mais moi, Philippe, que je sache, je suis encore souverain pour la France. Vous trouverez bon que je vous retire cette lieutenance du Languedoc que vous me demandez depuis si longtemps. Merci, sire. Vous m'ôtez tout scrupule. Je ne vous aime pas, comte Phébus. Mille grâces, sire. Souffrez qu'à son tour et à votre exemple, le comte de Foix reprenne la parole jurée après la défaite de Crécy. Avant une heure, notre armée aura pris le chemin du retour. Sire, vous venez de perdre un précieux auxiliaire. Une armée de cette valeur, sire. Un capitaine de ce talent. Et bien heureux encore s'il ne tourne pas ses armes contre vous. Oh, l'Anglais ne manquera pas de sauter sur l'occasion. Mais oui, je me suis peut-être laissé emporter, mais aussi pourquoi ce jeune homme montre-t-il tant d'arrogance? Ce n'est pas acceptable. Mais enfin, sire, que deviendrez-vous si les armées de Foix et de Béarn joignent celles du roi Édouard en Guyenne? Ah, mon père, quelle faute est la vôtre? Laissez-moi tenter de retenir le comte. Me donnez-vous carte blanche? Oui, 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 faites, faites, mon fils. Jean, ramenez-le. Dussiez-vous lui promettre n'importe quoi, cette lieutenant, s'il le faut. Je me porte garant de votre parole. Pas trop vite. Comte, je viens vous offrir des apaisements. Rien ne peut m'apaiser que de rentrer chez moi. Allons, presse-toi, vite, ou partons. Vous savez, quand il a décidé quelque chose... Essayez de tout votre pouvoir, je vous en prie. Mon pouvoir, écrit. Réfléchissez, mon cousin. Ne partez pas sur le coup de la colère. Qu'en penses-tu, Corbéran? Moi, je suis opposé par principe à toute décision précipitée. Va pour 48 heures. Vous n'aurez pas à le regretter.
Ah, les fins diplomates. Comme ils sont faciles à jouer. Ah, tu n'avais pas l'intention de partir. Simple feinte pour faire monter les enchères. Crois-moi, pour me retenir, il faudra me donner bien plus que le Languedoc. Tu changes, Phébus. Surtout, je me donne le temps de t'assurer ma vengeance. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Alors, mon fils, ce comte de Foix, l'avez-vous vu? Oui, sire, oui. Eh bien, ne devait-il pas venir ici ce soir? Ah, en effet, mais il est rentré très fatigué de la chasse. Oh, encore la chasse? L'excuse est bonne. Cette cour est devenue funeste, chacun se fuit. On dirait que Crécy a apporté la peste. Ne dites pas cela, sire. Votre petite Blanche, elle, ne rêve que d'être sans cesse plus près de vous. Oh. Ouais, tu as grandi, toi, hein? Tu es devenue belle, une jeune fille, une belle jeune fille. Veille au poison. Et bonne nuit. Et dis-moi, Phébus, tu vas me faire dormir longtemps dans son écurie? Bon, j'y prends une odeur qui fait fuir les demoiselles. Je prendrai ta liberté quand nous aurons quitté Paris. Ah, je vais demander au Mire de me faire une saignée, alors. Allez, on y va. Allez, bon. Rien? Mais non, madame, rien. Bien sûr. Mais oui, madame.
Tu veux le diable, petite sœur? Je veux le diable en personne, oui. L'ours, je parie. Tais-toi! Mais il est doux comme un agneau, cet animal. Il a injecté un homme un jour et il l'a dévoré. Un jour, il va faire pareil avec moi. Phébus est trop galant homme pour pas mettre une telle horreur. Il me déteste, Phébus. Et toi, tu l'aimes. Que la vie est donc difficile pour les grandes personnes. Blanche. Ma sœur. Tu peux me rendre un grand service, Blanche. Moi? À mon âge? Oui, et toi? Le roi ne te refuse rien, n'est-ce pas? Alors tu vas lui dire que tu as peur de l'ours, toi. Et que tu veux que Phébus l'éloigne de Vincennes. Tu entends, Blanche? C'est trop drôle. Je t'en prie. Rends-moi ce service. Hier, tu me reprochais de vouloir séduire le roi. Aujourd'hui, tu t'en félicites. N'est-il plus de honte, tout d'un coup, à ce qu'une gamine de 13 ans veuille séduire un homme de 54? Je t'en supplie, Blanche. Je t'en supplie. Et que dit-il? Rien. Il chasse. Ah, toujours. Il pourrait au moins chasser sur ses terres. Je lui ai transmis vos dernières propositions. Mais je ne sais pas ce qu'il attend. Ah, moi je sais. Le lieutenant du Languedoc, celle de l'Aquitaine. Et puis mon royaume. C'est un ogre, ce Béarnais. Sire. Mademoiselle Blanche de Navarre sollicite une entrevue. Je n'ai ni le temps ni l'humeur à écouter cet enfant. Ah ben, ça ne sera pas long. Allez, laissez-nous. Qu'y a-t-il, Blanche? J'ai beaucoup hésité avant de venir, sire. Et tu sembles hésiter encore. Il ne faut pas. Je voulais donner à votre majesté une preuve de mon attachement. Il ne m'a pas échappé que votre majesté a de mauvais rapports avec le comte de Foix et que l'on est très mari. Vous semblez ne pas comprendre les raisons de son hostilité à votre égard. Et tu les connais? Voyez du côté de la reine. Quelle reine? La reine. Que la reine Jeanne? Mon épouse? Oui, sire. Pendant votre dernière absence, un soir, la reine a retenu la comtesse de Foix. Ce qui s'est passé, je l'ignore. Tout le monde l'ignore. Mais les suivantes de la reine ont entendu un cri. Et constater le lendemain que la reine portait à la main la trace d'une profonde morsure. Santé, toutes! Non, laissez ça, allez dehors, vite! Ce n'est pas en exerçant votre vigueur sur les femmes que vous mangerez le désastre de Crécy. Laissez-vous. Non, je ne me tairai pas. Je vous envoie ce chef-d'œuvre, la capacité militaire. Laissez-vous! Je suis comme des marchands de poissons de la place de Grève. Ce n'est pas la première fois qu'il la frappe. D'ailleurs, elle le mérite. À plusieurs reprises, elle a tenté de faire monter à l'échafaud des gêneurs ou d'anciens amants. Elles sont d'âge. Cours, me dégoûte. Partons, rentrons chez nous. Pas l'envie qui m'en manque. Je suis votre ami, comte Phébus. Si le roi bat la reine, c'est grâce à moi. Je n'ai cure que le roi batte la reine. J'ai vengé la peine que la reine a fait endurer à la comtesse Myriam. Pardonnez-moi. Je voulais vous dire au sujet de votre ours. Il fait très peur, Agnès. Mais moi, je trouve adorable cet animal. Dites, comte Phébus, cela vous ennuierait-il de me montrer ce qu'il sait faire, pour moi toute seule? Mademoiselle, cela est impossible. Hannibal a un caractère imprévisible. Il est capable de danser, de faire le beau, puis, sans prévenir, de jeter sur vous et de vous déchirer. Il a ajouté, dites-le donc à votre sœur. J'ai demandé, pourquoi tourmentez-vous Agnès? Oh, elle le sait aussi bien que moi. Puis, cela vous amuse? Non, mais je dois le faire. Allons.
Il ne sera pas dit que ton frère bien-aimé t'aura laissé dans l'angoisse. Qui êtes-vous ? Des voleurs. Nous n'avons rien sur nous. Que voulez-vous nous prendre ? La vie. L'animal ne saute de lui-même dans le vide. On l'a poussé. Qui ? Vous le demandez ? Quand les traces partent de la porte d'Agnès ? Précisément, c'est un peu gros. Si les Navarrais étaient impliqués dans cette affaire, ils se seraient arrangés pour la faire partir d'ailleurs. À moins que ce ne soit justement une finesse. De toute façon, on ne prête qu'en rire. Lire les
Laissons là cette charogne. Courons enterrer Hannibal. Faites-moi la grâce de nous laisser, messire. J'ai à m'entretenir en particulier avec le prince Charles. Prince Charles, je venais vous dire qu'on ne m'assassine pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je vous en prie, ayez au moins le courage de vos actes. Et quelle raison aurais-je de vous assassiner? Politique d'abord. Moi disparu, le royaume de Foix devient plus facilement à la portée du roi de Navarre, son voisin. Familial ensuite. Vous aimez votre sœur? Je la tourmente avec mon ours. Mais surtout, la prudence vous commande de faire disparaître le témoin gênant de l'assassinat de Myriam de Béarn par vos sbires. Ce sont là des fables. Cette nuit, Hannibal, mon ours, est tombé de la fenêtre la plus haute de ce palais. Un animal ne tombe jamais dans le vide à moins que quelqu'un ne l'y pousse. Espin ton gant. Aimez-vous le miel, prince Charles? Je ne savais pas que la couardise était inscrite en lettres d'or au blason de Navarre. Je vous insulte. Vous ne réagissez pas. Maintenant, refuserez-vous ce duel que je vous propose depuis un moment déjà? Je n'ai aucune raison de me battre en duel avec vous, mon cousin. Voici une, non? Vous êtes l'offensé et vous ne me demandez pas raison. Avez-vous peur que je vous tue? Alors je vous somme de vous battre. Erneton, tu lui serviras de témoin. Ce serait de l'assassinat. Et moi, je ne suis pas un assassin. Relevez-vous, prince Charles. Je vous accorde la vie à une condition. J'ai demandé audience au roi. Je veux que vous y assistiez en compagnie de votre sœur Agnès. Je sais qu'elle se cache depuis la nuit dernière. Alors trouvez-la-moi. Si vous manquez à cette condition, je vous provoque en duel de justice. Et cette fois, je vous tue. Phoebus veut te voir. Tu n'as plus peur de lui? Non. Pourquoi te caches-tu alors? Je ne me cache pas. Cette affaire, je dois trembler à cause de toi. Si
C'est toi avec ta peur de tout, même de ton ombre, qui m'a fait perdre mon sang-froid. Maintenant, je n'ai pas peur. L'ours est mort. L'ours était un danger. Vous me dévorerez, c'était un accident. Et maintenant, qu'est-ce que je risque? Peut-être même pas revenir avec un deuxième ours. Tu l'avais vu comme moi, il y a quelques instants, tu serais moins rassuré. La haine lui sortait par tous les pores, elle l'enveloppait comme une vapeur. Non, non. Il est vassal du roi ici. Sous le toit de son suzerain, il ne peut rien contre nous, rien. Veuillez nous faire la grâce, mon cousin, de prendre place. Je vous remercie de m'accorder cet entretien, sire. À dire vrai, je l'attendais depuis longtemps. Vous me devez une réponse, comte Phoebus. Je vous ai fait porter des propositions, elles étaient généreuses. Trop généreuses, sire. Finalement, je n'en accepterai qu'une. Rendez-moi la lieutenance du Languedoc et je partirai content. Aucun dénouement ne pouvait être plus agréable. Et surtout s'il met fin réellement au différend qui nous a opposés. Mes ressentiments ne sont jamais de longue durée, sire. Sauf si les motifs en sont bien graves. Excusez-nous, mon cousin, mais nous sommes en entretien privé avec le comte de Foix. C'est à moi de m'excuser. Le roi Navarre et la princesse ne viennent que sur ma demande. Vous me surprendrez toujours. Que direz-vous tout à l'heure? Majesté, il me faut prendre congé. Je regretterai votre cour, encore qu'elle ne nous soit pas propice. On m'a rapporté que mon épouse y avait couru de grands dangers. Avant de trouver chez moi une mort qu'on lui avait dépêchée d'ici même. Que dites-vous? Votre femme a été assassinée par quelqu'un de ma cour? J'en ai la certitude, sire. Vous déraisonnez? Pas le moins du monde. Avez-vous un soupçon? Une certitude. Ah non, le châtiment sera exemplaire. Princesse Agnès! Restez donc. Vous n'avez plus rien à craindre de mon ours, on l'a tué cette nuit. Quoi? Ce superbe animal est mort? Et j'en ai un immense chagrin. Les Béarnais aiment les bêtes sauvages. Vous les chassez pourtant? Certes, mais toujours avec honneur et admiration. C'est ainsi qu'en Béarn, nous vénérons le sanglier comme le père de la prospérité et de la santé. Le père? Mais oui, le père. En plein territoire de mes grandes chasses, il est un lieu nommé Salis. Salis de Béarn. L'un de mes aïeux y a découvert un sanglier enlisé dans un lac de sel. Dès lors, ce sel fait le bonheur de tous nos Béarnais. Il fait leur richesse, leur robustesse. Il donne aussi beauté aux dames qui s'y vont baigner. Il donne en outre incomparable saveur à nos jambons. Comme tout ça est intéressant. Mais est-ce pour nous ouvrir votre bestiaire que vous nous avez demandé un entretien sur... Vous oubliez que notre cousin nous a apporté une réponse que nous attendions depuis fort longtemps et que nous en sommes très heureux. Au surplus, les Pyrénées, depuis Charlemagne, ont été le théâtre de beaucoup d'événements merveilleux. J'ai entendu parler d'un aigle de Lourdes. Oui, qui ravitaillait en truite une garnison assiégée. Mais à mon sens, aucune bête n'a la noblesse de l'ours. Pour moi, l'ours est un ami. Et dans le cas d'Hannibal, un ami d'enfance. Il est aussi la main de notre justice et je ne crains pas de le dire, de notre vengeance. De notre lente, patiente et sûre vengeance. Princesse Agnès. Voilà, c'est... Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. J'en ai assez de ces fables énigmatiques. En voulez-vous une plus claire? Votre Majesté peut-elle tolérer que l'on me menace sous son toit? Personne ne vous menace. Et à qui croyez-vous que s'appliquent ces mots de vengeance qu'emploie le comte? Et d'une façon si peu royale, soit-dit sans vous froisser, mon cousin. On se venge quelquefois, on s'en vante rarement. Connaissez-vous l'histoire du chien de Clovis? Oh, le chien de Clovis, maintenant. Vous devriez m'être reconnaissant de vous faire attendre le dénouement.
Ces quelques instants vous sembleront bien heureux en comparaison de ceux qui vont suivre. Vous regretterez que mon histoire ne soit pas plus longue. Je souhaite, en tout cas, qu'elle soit claire. Je l'ai promis. Ordon, le fils du roi Clovis, attaqua un certain roi du Léonois, dont il convoitait la femme. Blessé à mort, le roi fut jeté dans la Loire. Quand il vit son maître dans l'eau, son chien, il soutint à son tour et fit tant qu'il le tira sur la terre ferme. Il creuse un grand trou de ses griffes. Il pousse le cadavre, le recouvre de terre le mieux qu'il peut avec ses dents, son museau. Et il demeura là bien une demi-année. Le roi Clovis fit crier par tout le royaume qu'à celui qui pourrait lui dire la vérité sur cette mort, il accorderait tel don qu'il lui demanderait. Vint une demoiselle. Sire, c'est votre fils que voici qui a commis le forfait. J'y étais. Ce lévrier y était aussi. Et regardez-le, il dit comme moi, à sa manière. Je vous requiers donc que vous me donniez votre fils. Sans répondre, le roi Clovis ordonna qu'on allumât un grand feu et y fit jeter son fils. Quand celui-ci ne fut plus qu'une carcasse calcinée, se tournant vers la demoiselle, « Tenez, il est à vous, je vous le donne. Voici, sire, et voilà douce et gentille princesse Agnès, comment un meurtrier est châtié. Dut-il attendre son châtiment des mois et des années. C'est très joliment conté, comte Phoebus. Mais j'imagine que ce n'est pas pour me raconter ces macabres histoires qui sont vieilles de plusieurs siècles que vous m'avez fait lever de mon lit. En quoi tout cela me concerne-t-il? C'est vrai, j'allais oublier. Par Saint-Nicolas, l'amour des bêtes me rend bien distrait. J'allais oublier que mon dessein, avant de quitter cette cour, était de demander votre main, princesse Agnès. Une si flatteuse demande mérite au moins une réponse. Vous hésitez, princesse ? Je m'étais laissé dire, mais je suis sans doute bien fat, que votre penchant pour ma personne était violent. Avant de répondre, il conviendrait peut-être de demander conseil à monsieur, votre frère. Je consens. Dans ce cas, je ne puis que consentir à mon tour. Fort bien. Maintenant, parlons chiffres. Messire, mon frère, à venir. Combien me donnerez-vous? Oui, quelle dot donnerez-vous à votre sœur?
N'imaginez pas que je vais épouser sans compensation une fille au sang pourri par tous les incestes qui ont eu cours de votre famille. Je consens. 10 000 livres. Que voulez-vous que je fasse de 10 000 livres? Pourrais-je seulement la nourrir avec cette somme? Et la soigner dans... Je consens. Nous venons de le voir pendant 3 semaines. La santé de cette personne est fragile. Je consens. Disons 30 000. Je consens. J'y perds, mais soit. Topa à 30 000. Mon cousin se langage. Vous n'êtes pas un paysan en affaires. Venez maintenant, vous n'avez rien à faire sur un champ de poids. Non. Vous faites trop bon marché de la princesse. Comptez-vous pour rien l'alliance de votre maison avec la mienne? Vous n'êtes guère généreux. Que diriez-vous, par exemple, de me céder la seigneurie de Montesquieu de Volvestre? Voilà qui agrandirait opportunément mon comté de foi. Mais pas de promesse. Je veux un paiement au comptant. Est-ce tout? Faites-moi la grâce, madame, de mettre à profit le temps de nos fiançailles pour prendre un peu d'embonpoint. Non, pas pour mon plaisir. Pour moi, vous pouvez bien être comme vous voudrez, je n'en ai cure. Mais par commisération pour mes sujets, qui étaient habitués à la plus jolie et la plus gracieuse des princesses, et qui ne pardonneraient pas à leur seigneur d'offusquer leur regard par une... comparaison. Que vos majestés m'excusent. Tu as perdu la tête. La mort était trop douce pour cette sorcière. Tu ne peux pas épouser cette femme. C'était la seule manière de venger Myriam. En poussant les choses aussi loin, c'est à toi que tu risques de faire du mal. Tu veux que je vive? Plutôt ciel, que ta vengeance ne se retourne pas contre toi. Ce mariage n'aura pas lieu. Ah oui? Pourquoi? Parce que pas un prêtre n'acceptera de le célébrer. Même le chapelain de foi, le chanoine Garcia, refusera. Personne n'assistera à la cérémonie. Pas un homme de la cour, pas un baron du Béarn. Même Corbéran se dérobera. Parce que ce mariage basé sur la haine et la vengeance est une offense à Dieu. Non, tu te trompes. Bientôt je serai comtesse de foi et j'aurai un mari que j'aime. Et qui te hait. Que je combattrai jusqu'à ce que j'en vienne à bout. Jusqu'à ce qu'il me supplie de l'ouvrir la porte de ma chambre. Voilà. Seulement, tu ne me crois ni assez belle ni assez intelligente pour y parvenir. Monsieur Espin du Lion de la part de Gaston Phoebus. Oui, qu'il entre. Veuillez mettre cette robe, madame. Je ne comprends pas. Votre futur époux vous attend. Il a décidé que le mariage aura lieu cette nuit. C'est une plaisanterie. Non, madame, c'est un ordre. Comment? Un mariage la nuit? Sans prêtre, sans témoin? Rassurez-vous, tout le monde est déjà sur place. Je vous attends, madame. Qu'est-ce que tu fais? J'obéis. Où sommes-nous? Voici l'église où sera célébré votre mariage, madame. Une église? Non. Ce sont des ruines.
C'est l'ancienne église des Templiers. Vous m'épousez là où ont été massacrés les derniers chevaliers du Temple. Vous savez pourquoi? Je l'ignore, madame. Ma mission s'arrête ici. Et où est le comte? Il vous attend à l'intérieur. Ces gens sont nos témoins. Je n'ai pas voulu déranger vos amis pour cette cérémonie. J'ai trouvé mon affaire parmi les truands, mendiants et estropiés de la cour des miracles. À tout prendre, ces figures conviennent mieux à mon état d'âme actuel que celles des gens parfumés de la cour. Prêtre interdit, servi par deux assassins, en état de grâce. Mais le sacrement n'en serait pas moins valable, je me suis renseigné. Prenez place. Vous pensez que je vais reculer? Vous en paraissiez fort près, il y a un instant. Eh bien, c'est mal me connaître. J'y tiens. Ici? Ici. Cette tache est une tache de sang laissée par les Templiers suppliciés. C'est par le sang que vous devez de devenir aujourd'hui comtesse de Foix. C'est là, dans le sang, que nous nous unirons.
La voici. Votre souper sera servi dans un instant. Je préfère aller dans ma chambre. Comme il vous plaira, j'ai moi-même presque terminé. Je m'en réjouis. Je suis chargée de vous accueillir, madame. J'installe votre maîtresse. Cette nuit, c'est moi qui m'occuperai d'elle. Ordre du comte Phébus, si vous voulez bien me suivre. Cette chambre plaît-elle à votre majesté? Elle a l'air agréable, oui. Et derrière cette tapisserie, qu'est-ce qu'il y a? C'est la chambre de monseigneur. Vous l'êtes ? De quoi vous plaignez-vous ?